Yo yo yo, bonjour, bonsoir les amis. Bon, je vous explique, c'est la 16e fois que je recommence. Il y a une seule fois où j'ai réussi la mission, mais mon ordinateur a crashé. Du coup, pile poil au moment où il n'y a plus personne dans la base, l'ordinateur a redémarré. Enfin, ça a coupé complètement. J'ai conservé l'enregistrement, mais je ne sais pas si ça va servir à quelque chose. Et là, c'est pour la 16e fois que je recommence entre le sniper qui me tue et les crashs, j'ai dû avoir deux ou trois crashs. J'ai diminué un petit peu la résolution. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Ils sont que 5 dans la base et pourtant ils sont archi difficiles à tuer, les amis. Très très difficiles. Alors je recommence pour la énième fois. Et je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Il m'emmerde sérieusement ce sniper. Donc voilà, j'essaie de m'approcher, mais il arrive toujours à me repérer. Donc là, il faut que j'aille très 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 mollo. Je sais pas de quel côté il est pour l'instant. Il me voit pas, j'avance d'un pas. Non, il me voit pas du tout. Est-ce ma chance pour la 16e fois? Il va pas tarder à me voir et s'il me voit, il me tire direct, hein. Donc, je sais pas du tout comment m'approcher. Ça fait la énième fois que je recommence. En tout cas, allez, je vais aller par là, je prends le risque. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde là-bas? Oh. Il va pas tarder à me repérer. Ah, il y a quelqu'un là-bas, donc ça va me gêner. Ça va être difficile. Ils sont partout, partout, partout. C'est très difficile de m'approcher. Soit je suis vu par le sniper. Hop, et ça y est, il m'a vu. Voilà, il va tirer, il va tirer. Si, je bouge pas. Je bouge pas. Je bouge pas. Espérons qu'il va regarder ailleurs. Voilà, vas-y. Ok, pour l'instant, il me voit pas bien. On va dire qu'il va bouger ailleurs. Je vais m'approcher. Mais il y en a un à droite et un à gauche. C'est difficile, hein, très très difficile. Ce qui m'emmerde, c'est celui de droite. Je vais essayer d'aller par là. Hop, voilà. Je vais essayer de tuer lui en premier. Normalement, l'entrée, c'est là-bas. C'est plus facile à y entrer, mais malheureusement, j'ai démarré le jeu par ici. Donc, de toute façon, le sniper, il me voit de partout. Donc c'est archi archi difficile. Je crois que je vais essayer d'aller par là, mais mon arc ne va pas assez loin. Alors quoi qu'il arrive, je vais me faire flinguer quand même. Voilà, d'ici, est-ce que je peux le tuer lui? Ah, il m'a vu. Ça c'est dommage. Ah, il m'a vu. Il a bougé. Le sniper aussi m'a vu, donc ils vont pas tarder à me tirer dessus. Là, il va falloir que je m'approche le maximum. Pour pas qu'il puisse me tirer dessus. Allez, c'est parti, on prend les risques. Et voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est. Et merde, encore le bug. Il va m'avoir. Il va m'avoir. Il va m'avoir. Putain, mais crève. Il va m'avoir. Oh, il est où? Ok, lui, il est là. Alors, l'intelligence artificielle a amélioré. Ils savent me contourner maintenant. Donc, le sniper est mort, c'est une bonne chose. Voilà, le fait qu'ils tirent tous comme ça là, et ben, ça plante mon ordinateur. Putain! Oh là là, justesse! Il m'a eu quand même. Oh là là. C'est très difficile de faire CD. C'est vraiment très difficile de faire CD. En plus, maintenant, ils sont capables de venir jusqu'à nous. Voilà, je recule, je ressors parce que ils vont venir m'attaquer.
Voilà, l'intelligence artificielle s'est beaucoup améliorée, hein. Et en fait, le truc, c'est quand on approche trop, voilà, de quelque chose, on perd l'arme est bugée, on peut plus nous voir, voilà. On n'a pas le sniper et pourtant on a du mal. L'autre, il y en a un qui est sorti de la base, il va pas tarder à revenir et s'il revient, c'est la misère, hein. Ok, c'est pas de ce côté-là. Quelque part par là, il faut que je le chope. Je vais peut-être le choper de l'extérieur. Il m'en reste encore 6 balles. Je peux l'avoir si je suis prudent. Assez prudent. Alors, on va le mettre ici. On va le contourner par là. Voilà, il est là-bas, je le vois. Ok. Ok, il est tout seul. Il est tout seul, il est à ma merci. Putain, il a encore bougé. Donc là, il y en a un qui est sorti de la base quand on arrive. Ah, ça y est, il est là. Là, t'es mort. Là, t'es mort. Là, t'es mort, mec. C'est lui? Il est mort. Voilà, il n'y a plus personne, je pense. Voilà, c'est ici que je suis mort. J'ai monté, j'ai couru vite pour monter chercher le sniper. Et c'est là où mon ordinateur a crashé. Voilà, j'ai réussi au bout de plusieurs heures. Donc on va aller. On va aller. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est dans cette petite maison, cabane. Ouais, logiquement, il est dans cette cabane. Putain, des heures et des heures pour réussir à sauver. Il est pas là. Donc s'il est pas là, il doit être là-haut, à l'étage. J'espère que l'autre loup, il va pas revenir. Parce qu'une fois j'ai réussi à sauver, il est revenu, il m'a flingué dès que j'ai fini d'ouvrir l'armoire. L'armoire grise là, l'armoire étagère. Bon, toi tu vas me donner ton flingue ou quoi? Allah Akbar. C'est quoi ça? Il fait sa prière. Ok, je récupère mes flèches. Bon. Tu fais ta prière, ok. Je plaisante les mecs, hein. J'ai rien contre la religion. J'ai pas de religion d'ailleurs. Donc, j'ai tendance aussi à rigoler, à parler dans toutes les langues. Ah, c'est là. Il est là. Oh mon pote! What the fuck? Tu sais que tu m'as manqué? Aïe 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 aïe. Hey, t'aurais pu m'aider quand même toutes ces années là, hein? Je me suis fait flinguer de tous les côtés et toi t'es là tranquille assis à prendre l'air. Non mais attends. C'est abusé quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Tu veux venir avec moi ou pas? Viens me donner un coup de main. Alors attendez, hein. Avant que je le sauve. Non, je vais le sauver quand même. Je prends le risque de le sauver. Normalement. Je sais pas si je sauvegarder ici parce que là c'est vraiment risqué. Voilà, une fois que je le sauve, c'est la misère. Il se peut qu'il revienne les mecs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me planquer dehors. Et je vais me sauvegarder depuis l'extérieur. Parce que au cas où je meurs, si jamais si jamais comment dire, je redémarre le jeu à l'intérieur de la base. Il y a encore un flingue là. À l'intérieur de la base, et ben, je pourrais me faire tuer à l'aise. Ok, donc mon pote il est là. Je vais sortir, je vais sauvegarder. J'espère que je vais pas me faire tuer. Bêtement. Où est-ce que j'ai vu un endroit safe? J'ai vu un endroit safe. J'avais vu un endroit safe. Ici, c'est pas très safe. Sinon, je me mets là. Mais là, il y a le sniper.
Sinon, il faudra prendre le risque. Faudra prendre le risque parce que en fait en ouvrant ok je vais peut-être me dépêcher je connais pas trop le principe des bases des fois ils reviennent ça craint énormément donc je vais me sauvegarder quelque part par là là voilà derrière un arbre peut-être tiens derrière ça est-ce que c'est bien? Voilà, derrière ça. Je vais me sauvegarder ici. Non. Même ici, c'est pas bon. Laisse tomber, quoi. Oh là là. Bon. Ben, on va se mettre. Allez, tant pis. J'ai sauvé. Je l'ai sauvé. Donc, on va se mettre un petit peu plus loin. On va le sauvegarder ici. Voilà, comme si, même si jamais. Si jamais il respawn, et ben. Derrière deux arbres, je pense que là, je suis bon, là, là. Voilà. Sauvegarder. Purée, au bout de 6 heures de jeu, laisse tomber. Ce jeu m'aurait fait une belle misère. Hein. Ok, là, c'est fait. Ok, d'abord, je vais chercher l'intérieur. Je vais fouiner. Je vais fouiner. Il y a deux armoires, là, qui sont intéressantes. En plus, il faut l'ouvrir avec une clé. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes, je m'en rappelle plus. Je vais aussi monter sur le toit pour voir s'il y a quelque chose. Non, on peut pas monter. Allez. Attention, en ouvrant les armoires. Oh là là! La voiture, elle est un peu loin. Dommage. Attends, est-ce que je vais manger quelque chose? Ni manger, ni boire. Ok. Et là? Ah, ok. Et là aussi? Ok. Voilà. Donc, open. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon, même. Ouais. Faut que je jette quelque chose. Ou je mange quelque chose. Franchement, j'ai peur, hein. C'est ici, en fait, en ouvrant ici, que ça va merder après. J'ai pas. Oh, j'ai pas sur moi. Quelle bêtise! Ah, j'arrive quand même. Ok, y a rien. Ok, y a rien. Et y a rien. Et personne n'est revenu. Donc c'est une bonne chose. Alors, en tout cas, là où j'ai pris. Je suis tellement ému que je sais même pas qu'est-ce que j'ai pris derrière Scott. J'ai pris les graines et quoi encore? Putain, il m'a pas donné de fusil sniper, il me saoule. Ouais, j'ai tout pris, hein. Ouais, j'ai tout pris, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Cette voiture, je la prends ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup. Des voitures, il y en a partout. On va pas s'attarder ici. C'est vraiment, ça pue. Allez, on se casse d'ici, hein. J'ai tout pris. Les armoires, tiens, là, les armoires, je vais les prendre. Les armoires, je vais les prendre. On va s'en servir. Voilà, faut juste qu'ils reviennent pas. Faut juste qu'ils reviennent pas maintenant. Je peux sortir? Ouais, c'est bon. Ouais, allez, allez, allez. Alors attendez. Ouais, c'est trop près encore. J'espère qu'ils vont pas respawn alors que j'ai à peine fait quelques pas à l'extérieur, hein. Attends, on va se cacher derrière les arbres, tiens. Comme ça, quand on viendra avec la voiture, on pourra récupérer. Voilà. Ok, on va sauvegarder à partir d'ici. Ouais, je deviens psychopathe parce que je me suis fait
Je me suis fait bien tuer comme il faut, donc les amis, m'en voulez pas. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. 6 heures les amis, 6 heures dans cet épisode et 6 heures dans l'épisode où pour sauver la fille. En tout cas, ça me plaît, hein. La difficulté me plaît beaucoup. C'est juste que voilà, j'ai beaucoup de vidéos à produire et d'être bloqué par une ou deux pour un ou deux épisodes comme ça, c'est un petit peu trop quand même. C'est juste un peu trop. Voilà, et après ça, on va se balader avec la voiture pour trouver un raccourci pour rentrer chez nous et pour venir ici. Parce que la route est beaucoup trop longue à chaque fois. Normalement ici, on n'est pas loin du tout de la deuxième mine d'acier. Voilà. Voilà, on va mettre ça ici. Hop. C'est dommage, hein, j'ai tué les snipers maintes et maintes fois depuis 3 saisons, depuis 3 games que j'ai enregistré et refait et refait. Jamais je suis tombé sur un sniper qui ne soit pas abîmé. Vraiment, je suis dégoûté. C'est quoi ça? C'est une flèche? Non, c'est une branche. Laisse tomber. C'est un peu risqué ce que je fais, hein. Normalement, il y a des casiers partout. Là, je me prends la tête avec ce casier alors que je devrais même pas. Hein. Parce que dans les camps militaires, il y a plein de trucs comme ça. Et aussi les boîtes, les caisses militaires, il y en a partout, partout. Et là, je suis en train de me prendre la tête pour prendre ces 3 casiers. Ah là 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 là. Mais bon, c'est comme ça le jeu de crafting. Hein. Moi, je fais des économies surtout. Voilà, on jette ici. Hop. Et on change d'arme. Et là, on sauvegarde dans un endroit safe. Voilà. Et maintenant, est-ce que je reviens encore? J'ai envie de construire une maison à l'intérieur et de laisser un PNJ dedans, rien pour leur faire chier. Je sais pas combien de bois ça va nous prendre pour construire une petite maison comme ça là. Il nous faut 10 comme ça, 20 comme ça, on l'a pas sur nous ça. Mais on peut le crafter. J'ai du bois, mais ça je suis pas sûr d'en avoir. Je vais aller voir à la voiture. Je vais prendre ça avec moi. Ah, le brouillard s'installe. Allez, on tire d'ici. Voilà. Est-ce que je peux mettre? Non, je peux pas mettre. Pourquoi je peux pas mettre? Parce que j'ai pris trop de choses avec moi. C'est bon, ça tient? Ça tient, ok. Ça, on va mettre. Pour l'instant, on met par terre. Toi, viens ici. Voilà, ici. Très bien. Je vais peut-être mettre ça par-dessous. Voilà, ici, c'est bien. Allez, vite. Je prends la voiture, non? Voilà, on reste ici. On prend la dernière. L'avant-dernière, je voulais dire. Ça tombe pas.
Ça tombe pas non plus. Voilà, parfait. Et la petite dernière. Voilà, pile poil. Vous avez vu les amis? Vous avez vu comment je suis fort au Tetris? Allez, on va sauvegarder derrière la voiture. Voilà, je suis vraiment prudent parce que je me suis fait tellement fait lyncher la gueule par ici. Maintenant, est-ce que je vais m'amuser à construire une base à l'intérieur pour leur faire chier avec le PNJ? Sachant que si jamais le PNJ ne s'en sort pas et que je veux venir la sauver, ça risque d'être très compliqué, ou alors je vais carrément planter et bugger le jeu. Il me faut 20 de bois, là il y en a 6, ça va m'en faire 20. Ah, j'en ai peut-être pas. J'ai tout laissé à la maison. Et voilà, je suis pas parti avec les composants rouges. Donc on n'a pas le choix, il faut partir d'ici. Voilà. Ah, je suis full en plus. Je suis full, donc je vais mettre directement les choses dedans. Hein. Ah, j'ai une armure. C'était ça que j'avais vu tout à l'heure. Ok. Allez, on va mettre des choses dedans. Hop. Hop. Que des conneries. Ça. Ça. C'est quoi déjà ça? Lockpick. Ah, c'était pour ouvrir la porte. Heureusement que je l'avais. Sinon, j'aurais pas été bien. C'est tout? C'est quoi ces balles? 9 mm. Ah ok, c'était pour mon... Ok. Ouais, bon bah voilà quoi. Ok. Tant pis. On va prendre la route. On va prendre la route, on va passer devant eux, ou alors on va prendre le raccourci. J'ai toujours pas ma boussole. Donc les fils électriques, je suis venu là-bas en traversant ici, traversant ce lac. Il y a des chances que je retombe chez moi. Il y a des chances. Alors on va monter dans la voiture, j'ai déjà sauvegardé. Je vais sauvegarder une dernière fois. Voilà. Putain, le psychopathe. Laisse tomber quoi. Voilà, là je passe devant, s'ils me tirent dessus, c'est qu'ils ont respawn. En tout cas, là je pars d'ici. Si je reviens plus tard, ils vont revenir à cet endroit. Voilà, mon idée était de introduire une maison à l'intérieur et de mettre une PNJ dedans pour dire que la base m'appartient, mais je sais pas si ça va fonctionner. Ou alors elle fait rien avec et elle passe son temps à se battre, ils passent leur temps à leur tirer dessus et ça devient une guerre quoi. Ici. Ah, ici c'est la frontière de l'autre ville. On n'est pas assez équipé en balles pour entrer dedans. On n'est pas du tout équipé. Alors. J'ai envie de prendre un raccourci ou je prends pas de raccourci. On va aller. Normalement, c'est par là, au fond. Je sais pas quelle heure il est. Je peux pas regarder l'heure. On va aller. Je me rappelle plus si c'est au fond. Si vraiment c'est le cas, attendez, on va ralentir. Si c'est le cas, ouais, ici y a rien. Ok, à droite on passe à une autre ville. Et normalement, au fond, je pense que je peux collecter du minerai de fer. Non, c'est pas le cas. Je me suis trompé, c'est pas ici. C'est pas ici. Ah, j'ai un petit peu oublié la map là. Il faut que je revienne dans mon ancien jeu là. Ok, ici il y a un moteur de voiture. Mais pour l'instant, on va pas se frotter à eux. On n'est pas du tout prêt. Il me faut un sniper. Je vais construire ma base à fond pour récolter un maximum de matière.
Et ensuite, j'irai les affronter. Là, j'ai rien du tout pour me battre. C'est pas terrible. Alors là, on va passer devant eux. Il y a de très fortes chances qu'ils respawnent. Allez, allons-y. On va longer cette côte. Ils sont pas encore là. Ils sont pas encore là, c'est une bonne chose. Ah, ça y est, il y a un rouge là-bas, il est parti. Donc voilà, petit à petit, ils vont revenir. Laisse tomber. On se tire d'ici. Ah, j'ai un petit peu oublié les chemins. J'ai un petit peu oublié. Je me rappelle plus où est la deuxième mine là. Alors, est-ce que je m'amuse à faire un chemin, un raccourci? Si je réfléchis bien. Bon, on verra pour le raccourci après, hein. Alors, ici. Ici, normalement, il y a un sniper aussi dans ces environs-là. Oh là 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 là. Ah, je crois que c'est à droite. Qui a la deuxième mine. Ou alors, c'est en sortant. Oh, il y a des snipers ici. Oh là là. Je vais me faire tirer dessus. Oh putain. Je sais pas du tout si la deuxième mine se trouve là-bas. Je me rappelle plus. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ok, on va rentrer à la maison. Est-ce que... Je sais pas si je peux m'arrêter ici, si je veux pas me faire descendre. Parce que ici aussi il y a des snipers. Ok, on va commencer par le commencement. On peut pas se permettre on peut pas se permettre de faire ici. Et... Non, non, je pense qu'on va rentrer à la maison. C'est bientôt l'heure du brouillard. Je vais juste prendre quelques petits trucs ici et après on part. Et même ici c'est pas très safe, alors je vais me planquer bien comme il faut. Voilà, ici derrière la voiture, voilà, parfait. Voilà, une petite sauvegarde. Voilà, à partir d'ici on a beaucoup de choses à prendre. Ouais, c'est rien du tout, mais on prend quand même 5 minutes. Il est 14h. À 15h, je pense qu'il y aura le brouillard. Litres. Oula, j'ai oublié de reprendre. Voilà, voilà mon erreur à chaque fois. Ça, je vais le casser dans quelques instants, mais là, je vais chercher ça. Et on a une roue là? Non, c'est pas une roue. Non plus. C'est bizarre qu'il n'y a pas de sniper là. C'est dangereux ce que je suis en train de faire. Je me suis fait tuer ici. Deux fois ici. Ok. Là, on va monter là-dedans. Il y a beaucoup de choses à prendre. Est-ce qu'on peut prendre ça? Est-ce que je peux? Oh oui! Ah, vous allez voir. Là, il va y avoir beaucoup de composants rouges. Et là, on entend VAN! Et je tombe par terre. Voilà. 4 pièces. Ok, très bien. Et là, on va casser celui-là si on peut. Ouais.
Il va peut-être me donner une... Non, il n'y a pas de batterie là-dedans, mais au moins une bougie. Voilà. Ah, bah ça donne pas beaucoup. Par contre, on peut là. On aura une ou deux caisses militaires là-bas, plus une caisse jaune. Donc, je sais pas du tout si... Honnêtement, je sais pas du tout si je vais chercher... Je vais chercher comme ça. De toute façon, là, il n'y a aucun danger. J'ai pas besoin de me battre. Ça, je peux laisser ici. La bouffe, j'en ai un petit peu trop. Je vais boire un petit coup. Voilà, pour vider ça. Voilà. Très bien. La bouffe, j'en ai un peu trop. Je vais laisser ici. Voilà. Matériel, j'en ai pas besoin. Machette, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Je vais juste prendre ça. Ça, c'est tout. Histoire de me protéger. Bouteille d'eau, j'ai pas besoin non plus. Il y en a trop. Voilà. Voilà, on est bon là. Allez, on va ramasser le maximum. Il y a une caisse à prendre. Y a beaucoup de choses à prendre ici. Beaucoup, beaucoup. Plus un moteur. Il y a une roue, voilà. Il y a même deux roues, je pense. Il y a même un sac. Ouais, il y a un sac à dos ici. Il y a un sac à dos ici normalement. Attends, je vais allumer la lumière. Je sais pas pourquoi il commence à sombrer comme ça alors qu'il est que 15h de l'après-midi. Allez, donne-moi un sac à dos là. Je suis venu que pour ça. Ici, il y a un coffre. Et ça doit être un couteau. Une machette. Ensuite, la lumière, ça doit vous déranger un peu, non? Ici, on a des casiers. Voilà. Des balles de mitrailleuse. Ici, un coca. Ça, c'est un bug. Il doit être posé sur une table. J'ai fait ça. Ouais, j'ai fait. Je suis con. Ok, ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, voilà! Regardez! Oh là 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 là! Voilà, on prend. Allez hop, c'est pour nous. Oh là là, hey, c'était juste en bas. J'ai même pas vu. Voilà, il n'y a pas qu'une seule caisse, hein. Je vais la mettre ici. On va continuer à chercher. Voilà. Il est encore là-bas. Je vais monter sur la voiture. Tiens, il y a encore un coffre là. Je le savais, je le savais. Je vous avais dit qu'il y a plusieurs coffres. Voilà, et là il y a quoi dedans? Des gants et une armure. Oh, 96%. Attends, je vais la prendre. Je vais la changer immédiatement. La roue, je vais la mettre dedans. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. On réorganisera à la maison. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ouais, on va faire ça. Et on va les changer. Voilà, c'est bon. On prend la caisse. On la descend. Je vais pas tarder à partir, les amis, hein, parce que les zombies vont bientôt arriver. Attends, il y avait une caisse jaune qui se trouvait. Elle doit se trouver quelque part par ici. Ça y est, je commence à flipper, je commence à stresser. Parce que je sais que le temps commence à jouer. Une caisse jaune, la caisse jaune, elle doit se trouver quelque part par ici, normalement. Je m'arrête ici à cette limite, hein. J'irai pas plus loin. Parce que ici, il y a les zombies. Et voilà, elle est là. Voilà, des graines en plus. Oh là là. Je vais la prendre sur moi. Voilà, je sais pas du tout si j'arriverai à tout mettre dans la voiture. Mais on va essayer, hein.
Vas-y, de jouer au puzzle. Voilà. Je vais quand même sauvegarder, les amis, au cas où je meurs ici. Pour des raisons X. Voilà. Ça vous rappelle pas 28e jour où vous réveillez, il n'y a plus personne dans la ville? Hein, là, on n'entend que des oiseaux, il n'y a pas un seul humain, il n'y a pas un seul monstre pour l'instant. Alors, comment je fais pour mettre tout ça? Déjà, ça, je peux mettre ici. Tourner, ça va tomber tout seul. Voilà, c'est tombé tout seul. La caisse, je vais la mettre par-dessus peut-être. C'est pas très logique, mais ça tient, hein. Voilà, ça tient. Il n'y a aucune logique, mais ça tient. Il n'y a pas de souci. Et ça va aussi tenir. Regardez-moi ça. Et voilà. Ok, je vais sauvegarder. Je vais essayer de bouger un peu pour voir. Bon, je pense qu'on a fait le compte. C'est pas la peine d'insister. Je vais juste. Ouais, je vais essayer d'avancer un tout petit peu pour voir. Voilà, on va voir si ça tombe. Si ça tombe pas. Non, ça tombe pas. Ok, très bien. Et ben, je vais mettre des choses dedans. Je vais mettre des choses dedans et je vais essayer de gratter un peu plus de l'autre côté. Ça. Manger. Allez hop. 15 heures. Ça va pas tarder à tomber sur moi, ça va pas tarder. Manger. Voilà. Et là, on va chercher les crafts métal. Il y a quatre voitures là-bas. Attends, je vais armer. Je vais armer quand même. Je vais armer. Je vais prendre celui-là. Voilà. C'est dommage qu'il fait pas 9 ou 12 balles dans celui-là. Voilà, ici il y en a. Normalement, quand on est dans cette zone, on n'est pas loin du tout de la mine. Mais je sais pas par quel chemin il faut y aller. J'ai un petit peu oublié. Oh, c'est quoi ça? Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais récolter ici, moi? Laisse tomber. Merde, je l'ai cassé. Bon, bah voilà. Je m'en souviens plus du chemin pour traverser. Je me demande si c'est pas. Je m'en souviens plus beaucoup. Normalement. Normalement. Ça doit se trouver par là-bas. Par là-bas, ouais. Bon, est-ce que j'ai encore une hache? Sinon, je vais partir. J'ai plus de hache. C'était ma dernière. C'était ma dernière. Ok, on va sauvegarder ici. On rentre à la maison. Aïe. On rentre vite à la maison parce que j'ai pas envie de mourir sur la route, sachant que j'ai plein de choses sur moi, de valeur. Normalement, est-ce que c'est un raccourci ça? Non, pas tout à fait. Pas encore. Ah. Ah voilà, ici je disais donc, ici, si. Ouais, on reviendra plus tard. Hein. On reviendra plus tard. C'est pas loin de la maison. On reviendra pour récupérer. Attends, c'est la maison là. Pour récupérer un autre moteur. Voilà, maintenant Scott est à la maison. Je peux lui demander tout ce que je veux concernant le bois. Attends, j'ai été trop vite.
J'espère que je vais pas cracher encore. Attention, attention. Voilà, on avance un tout petit peu. Voilà. Et là, on coupe le moteur, on allume la lumière. Voilà. C'est génial. C'est tout simplement génial. Je suis archi content, les amis. J'ai récupéré plein, 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 plein de choses. Et je pense même que ça va rester comme ça. Oh ouais, je peux transporter beaucoup, beaucoup de choses là. Ok, on va sauvegarder vite fait. Ce qu'on va faire, les amis, je vais arrêter là. Je vais arrêter la vidéo ici. Parce que je vais devoir monter les vidéos avec les 6 heures que j'avais perdues. Hein? Attends, je vais lui demander de couper du bois. Oh, regardez, on va regarder ensemble. Assigner le travail avec la touche 3. Couper du bois avec la touche 1. Et là, on a tout. D'accord? On peut lui demander de prendre des feuilles. On peut lui demander jusqu'à ce que le. Jusqu'à ce que l'inventaire soit plein. Leave stump, par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Attendez. Je vais chercher dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. Google. Leave stump. Définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français, anglais, français, anglais. Traduction. Voilà. Ça veut dire laisser le moignon. Qu'est-ce que ça veut dire laisser le moignon? laisser le moignon. Attends. Attends, attends, attends. On va traduire mieux que ça. La souche. Ah non, on laisse pas la souche. On prend la souche. On prend pas les logs pour l'instant. Voilà, on lui dit de prendre tout ça parce qu'on en a besoin pour faire des cordes et tout. Allez, assigner. I have no tool. Ah, il lui faut une hache. Mon pote, je vais te donner une hache immédiatement. C'est pas ce qui manque. Je vais te la donner. Tiens, 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 tiens. Tiens. Voilà. 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 Et là, je peux te demander de la même chose ou pas? Jusqu'à ce que ce soit plein. Voilà. Voilà, il va le faire. Regardez, on le suit. Des fois, il y a des bugs. Il reste dans un coin de la maison. Il tape, mais il récolte quand même. C'est bizarre, hein? Regardez. Voilà. Boum. Vous voyez? C'est bon, hein? Et voilà. C'est. Regardez. On va l'observer jusqu'au bout. On va voir comment il ramasse. Vas-y mon gars, je t'adore, vas-y. Ça fait 2 ans que je te cherche. Voilà. Il ramasse les feuilles, il ramasse les branches, il ramasse les branches. En fait. Ah mince, il ramasse que les feuilles. En fait, il ramasse. Il fait semblant de ramasser, mais il ramasse quand même. Du coup. Ah non, il ramasse. Du coup, les vrais trucs, il laisse ici. Voilà. Donc pendant 3 heures, vous allez voir son inventaire, il va être immense. Voilà. Donc prochainement, il va farmer du bois pour nous. On n'a plus besoin de rien. Ok les amis, je vous remercie infiniment d'avoir suivi l'épisode jusqu'à la fin. Donc là, pour cet épisode exceptionnellement, je suis obligé de faire un montage. J'ai perdu beaucoup trop de temps. J'ai été mort 16 fois, 15 fois. Et donc là, je suis obligé de faire des découpages. Sinon, je vais pas m'en sortir. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et maintenant qu'on a Scott avec nous, et ben, c'est la vie est belle quoi. La vie est tranquille. Donc à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.